Ça vient d'une frustration d'une génération qui a vécu justement cette opposition d'une présence absente ou alors d'une présence absence, c'est-à-dire d'une présence au niveau de la matière, du corps, mais qui n'accepte pas le changement, qui n'accepte pas l'évolution, qui n'accepte pas la communication. Je suis un grand timide et aussi discret. Et j'ai jamais voulu aller chercher les galeries ou aller taper dans les bureaux comme ça, enfin serrer les portes comme ça pour aller proposer mon dossier. Moi, j'ai toujours voulu, un peu comme les anciens, que les galeristes se déplacent vers les artistes, vers les appuis. On a toujours voulu à ce que, bien sûr, qu'il y ait un échange. Et qu'il y ait le respect mutuel et que normalement les galeristes et les critiques se déplacent pour découvrir. Maintenant je suis plus jeune, normalement j'ai dépassé quand même j'ai plus les 20 ans, et donc de plus en plus je suis encore plus discret, beaucoup plus difficile, donc je reste dans mon atelier, voilà, c'est comme ça. Au départ, moi, j'ai toujours évité, parce que moi, j'avais cette proposition à plusieurs reprises. J'ai toujours voulu à ce que chacun de nous garde son espace privé, trace son parcours, parce qu'on est tous les deux de la même famille, d'accord, mais côté style, côté préoccupation, on n'a pas la même chose. Ouais. Et donc, dans un seul espace, c'est pas du tout... ça ne peut pas apporter quelque chose artistiquement parlant. Et voilà, donc l'initiative de la galerie, là, de la Banque Populaire, c'était une bonne chose parce qu'ils ont compris un peu ce que je voulais dire. Donc ils ont créé un petit espace, un peu comme un petit musée. Ça reste un espace, un seul espace, mais qui prend les deux peintures, les deux styles, d'une manière différente, une approche intéressante. Voilà. Nous essayons de trouver quelque chose qui puisse intéresser le public, quelque chose qui puisse donc sortir un petit peu des sentiers battus. Et il nous a été, on a pensé que c'était intéressant de proposer donc deux univers différents, donc le fils et sa maman. Vous avez vu, les œuvres sont complètement propres donc à chaque artiste. Et il nous a paru important justement de montrer comment la maman, qui était donc n'a jamais pris de cours, qui a commencé toute seule, donc la technique, elle l'a prise un petit peu par elle-même, et de montrer le travail un peu plus abouti de son fils, qui a lui aussi donc son propre univers, son interrogation. Il est face à des émotions, il est face à c'est tout ce travail-là de recherche qu'il fait. Et donc, il nous a paru important justement de montrer cette juxtaposition de deux mondes sous cette thématique-là de mère et fils.